Voilà l'orange fabriqué ici en Europe. Quelle est sa particularité? Il n'y a aucun grain. Donc, ce sont des fruits où il n'y a aucune semence. Tu peux montrer en gros? Voilà. Il n'y a aucune semence. Ça veut dire qu'on ne peut pas replanter. Voilà une orange belle d'apparence, mais n'est pas naturelle. Donc, je voulais vous montrer ça pour dire que Dieu nous a dit de manger tout arbre porteur de semences. Et quand on supprime la semence... Et que La grammaire ici. Dieu a dit ça. Ouf, tu as vu Dieu où ce qui t'a dit ça qu'on ne doit pas manger une plante qui n'a pas de semence. Mensonge. Mensonge, vous là. Même les grammaires mentent. Alors, les amis, la grand-mère nous dit qu'elle a trouvé une orange belle d'apparence, mais qui n'est pas naturelle, de ce qu'elle ne porte aucun pépin, aucune semence. Moi, je vais poser une question simple à la grand-mère, parce que c'est une grand-mère, c'est une femme âgée, elle pourrait être la mère de beaucoup d'entre nous, et même la grand-mère de beaucoup d'entre nous. OK? Donc, grand-mère, même chez nous, les êtres humains, il y a des gens qui n'ont pas de semence, pour ne pas dire qu'il y a des gens qui sont stériles. Mais est-ce à dire que ces personnes-là n'ont pas été créées par Dieu, ou alors par l'entité suprême? Question. Qui ici n'a jamais consommé un fruit cueilli à l'état naturel et ne portant aucune graine à l'intérieur? Prenons le cas des papayes. Qui n'a jamais consommé une papaye qui n'avait aucun pépin à l'intérieur? Moi, j'en ai déjà consommé à plusieurs reprises. Et ces papayes-là sont souvent très petites. Très souvent, ce sont les dernières papayes. Lorsqu'on a recueilli tous les premiers fruits, ce sont les derniers papayes qui se retrouvent en haut. Du moins les derniers papayes de la saison. Et en général, elles sont de petit calibre. Lorsque vous fendez ces papayes-là, vous allez voir que pour certaines, il y a des petits points à l'intérieur. En fait, ce sont des semences qui ne sont pas arrivées au bout de leur développement. Et dans d'autres fruits, c'est carrément vide, il n'y a rien à l'intérieur. Mais est-ce pour autant qu'on va dire que cette papaye-là n'est pas naturelle? Les amis, ici, on a deux possibilités. Soit cette orange est un OGM, organisme génétiquement modifié, soit cette orange est une semence améliorée, obtenir à la suite de plusieurs croisements successifs. Et dans le deuxième cas, cette orange ne pose strictement aucun problème pour l'homme. Si vous avez la possibilité d'en consommer, consommez-en en quantité. Par contre, si on vous dit que c'est un OGM, c'est donc là où il faut prendre ses distances. Car la consommation des OGM peut avoir plusieurs conséquences négatives sur la santé humaine. Continuons d'écouter la grand-mère. Donc, je voulais vous montrer ça pour dire que Dieu nous a dit de manger tout arbre porteur de semences. Et quand on supprime la semence et que la Bible nous dit qu'on ne pourra ni acheter ni vendre sans le 666, donc c'est une catégorie de personnes qui va avoir le monopole des fruits, des légumes. Et ça, c'est la dépendance de tout être humain, aller acheter chez ces gens-là. On sera esclave de ces personnes. Voilà l'orange sans pépins, sans grains. Qu'est-ce qu'on va planter? Donc, j'interpelle tous qui sont dans nos pays. La dépendance du 666, c'est arrivé là-bas. Eh, grand-mère, on va aller dire que c'est la sorcellerie. C'est toujours comme ça. Quand tu entends que 666 est monté, c'est descendu. Dieu est monté, Dieu est allé à gauche. Le diable est monté sur l'orange, il a retiré les pépins. Quand tu entends ce genre de choses, ça veut dire qu'on va y accuser la sorcellerie. On va y mettre le mysticisme en avant. Mais pourquoi? Ce n'est que de la science pourtant. Pourquoi vouloir toujours tout associer à la sorcellerie? Pourquoi les Noirs ont toujours cette tendance-là? Que tous ceux qui ne comprennent pas, ils attribuent cela à la sorcellerie, au diable, à Dieu. C'est bien dommage. Alors, grand-mère, tu dois savoir que les graines, ce n'est pas le seul moyen qu'on a de multiplier une plante. Ça, c'est dans le cadre du règne végétal. Okay? Dans le cadre du règne végétal, il existe d'autres techniques de multiplication. Okay? Ça veut dire que cette orange-là, si tu as besoin d'avoir des plantes pareilles dans tes plantations, tu contactes juste le producteur, okay, celui qui produit ces oranges-là, et il va te faire parvenir des plants. Tu auras ces plants-là chez toi, ils vont produire des fruits, et ces fruits-là n'auront jamais de graines. Mais ça ne veut pas donc dire que si à l'avenir tu veux étendre tes plantations de cette variété d'oranges-là, tu ne peux pas le faire. Tu peux procéder par le greffage pour multiplier tes plantes. Tu peux procéder par le marcottage pour multiplier tes plantes. Tu peux procéder même par la culture in vitro, okay? En prélevant un fragment
de cellules de cet arbre qui produit cette orange-là, et en le mettant dans un incubateur avec les techniques adéquates, ce pharma-là va commencer à se développer et te produire un nouveau plant. Donc, ce n'est pas seulement par des semences, graines, pépins, ou je ne sais plus trop quoi, qu'on peut obtenir des plantes. On a le greffage, on a le marcottage, qui sont également des techniques de multiplication. Pour finir, donc, très cher grand-mère, tu dois comprendre que on n'est même pas obligé d'attendre ces gens-là pour avoir de la semence. Nous pouvons développer nos propres semences, nos propres variétés d'oranges sans pépins. On peut le faire.